to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh-oh, oh-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh-oh, I keep asking why. Et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi, donc aujourd'hui on vous retrouve dans un lieu un peu spécial. On est à l'hôtel, on est parti hier en après-midi, on a pris le train, on s'est bien occupé dans le train d'ailleurs. Donc là on est en train de prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Du coup cet après-midi on a un événement de prévu, c'est les mercredis family avec Disney. Je vous expliquerai un peu ça tout à l'heure, on est très contents. Elias, il a choisi un petit pain au chocolat avec du lait au chocolat. Tu vas te régaler, loulou. Bon, on vient de remonter du petit déjeuner. Donc ce matin, on s'est levé à 8h. C'était un petit peu plus tard que d'habitude. Je crois que c'était le grand maximum de Elias. Mais bon, il fallait qu'on vienne la veille pour pouvoir se reposer un petit peu le matin. Parce que faire l'aller-retour dans la journée, ça aurait été trop compliqué. Elias aurait été trop fatigué ensuite pour retourner à l'école. Donc voilà, comme ça, c'est fait. On a passé un bon moment. On s'est bien reposé. On va être en forme pour le mercredi family. D'ailleurs c'est la 5e édition. L'année dernière Eden était venu avec nous, ça, on avait passé un super moment. Donc cette année c'est autour des fêtes de Noël, ils vont nous donner un petit peu des idées pour la liste de cadeaux pour les enfants, notamment avec les nouveautés. Donc il y a la Reine des Neiges 2 et Star Wars, donc vraiment c'est chouette. Donc on va voir un petit peu tout ça. Et il y a d'autres choses aussi que nous allons découvrir, notamment donc tous les produits licenciés Disney, ainsi que bah, la marque Disney, Pixar, Marvel, Star Wars. Donc il y aura plein de choses à découvrir. Il y a plein de petits ateliers avec des activités, donc Elias va pas s'ennuyer, va vraiment bien s'amuser. Puis nous on va sûrement rencontrer plein de personnes, donc ça va être super cool. On a déjà trop hâte, donc là on va essayer de s'occuper ce matin. On s'est posé un petit peu dans la chambre, on vient de se brosser les dents et puis on va refermer les valises, on va aller les mettre à la bagagerie, puis on va peut-être aller faire un petit tour dans Paris. On sait pas encore exactement ce qu'on va faire, on a un peu de temps devant nous, du coup on profite quand même de la chambre de se poser encore un petit peu puisqu'on l'a jusqu'à midi, donc comme ça on reste à l'intérieur au chaud en attendant. Bon, on vient d'arriver sur l'événement et Elias a commencé à jouer un petit peu au Lego, il est en train de construire un Olaf. Donc nous avons commencé notre après-midi avec l'atelier de montage de Lego. C'était trop chouette. Donc c'était des Lego sur le thème de la Reine des Neiges 2 puisque le film sort très prochainement. Donc on a pu observer également plein de jolies décorations sur le thème avec le gros Olaf qui a beaucoup impressionné Elias. Donc on a découvert aussi les Lego du coup de la Reine des Neiges, c'est vraiment joli. Et également tous les jeux et les jouets sur le thème Star Wars par le partenaire Hasbro. Donc Elias a adoré ce stand, il est resté un bon moment pour jouer avec les sabres laser, etc. Il a adoré, il s'est éclaté et je pense que ce sabre laser sera forcément sur la liste du Père Noël. Père et fils se sont très bien entendus avec ce thème. Romain avait lui aussi des étoiles plein les yeux. Elias a fait que jouer toute l'après-midi avec les Lego Star Wars en découvrant un petit peu toutes les nouveautés Lego là. Les Lego sont très bien faits, c'est vraiment très beau. Donc ensuite nous sommes descendus et Elias a vu quelque chose d'extraordinaire, les super-héros, les Avengers, Spider-Man, le fan inconditionnel, il a pu jouer avec son petit copain Eden, le fils de la chaîne Allo Maman, je salue Laure au passage. Franchement Elias a adoré, il adore les Lego, il a adoré tous les jeux et les jouets du partenaire Hasbro également, donc c'est cool, il a pu les redécouvrir et ça donne pas mal d'idées pour la liste au Père Noël. Donc ensuite on avait un atelier que j'ai adoré, c'était mon atelier préféré où on a pu prendre une photo de famille avec des pulls de chez Kiabi que vous pourrez retrouver d'ailleurs chez Kiabi à partir de 10€, ils sont vraiment très bons, on a pu repartir avec. Et ensuite c'était Escape Game avec Evian, donc le jeu a été inspiré de la Reine des Neiges 2. Donc ils ont eu plein de petites activités à faire et du coup vous retrouverez les bouteilles d'eau Evian sur le thème de la Reine des Neiges.
Donc ensuite, Elias a participé à un petit atelier où il fallait gratter des masques. Il a trouvé ça super chouette. Quand on gratte le masque, il y a des couleurs qui apparaissent. Il était vraiment très concentré. C'est vraiment joli. Et puis, on a pu repartir avec des masques pour le faire à la maison. Donc ça, c'est plutôt cool. Petite pause goûter, il y avait un super buffet avec plein de choses qui nous donnaient l'eau à la bouche, des petites étoiles, c'était vraiment sur le thème de Noël. Vous retrouvez les Danonino sur le thème de la Reine des Neiges, avec plein de bonnes choses à manger. Elias a choisi un sapin de Noël en gâteau au chocolat. Et moi je lui en ai piqué un morceau. Ensuite, on avait un atelier Super Sand. Je crois que c'est l'un des ateliers qu'Elias a préféré. Il a vraiment adoré. En même temps, il en a à la maison. On joue très souvent au Super Sand. Cette fois-ci, vous retrouverez sur le thème aussi de la Reine des Neiges. Donc, plutôt chouette d'avoir tous ces thèmes à chaque fois différents avec le Super Sand. Ensuite, il y avait un atelier art et craft avec lancé sur le thème de la Reine des Neiges toujours. Donc Elias a testé les blow pens qu'il a adoré. C'est clairement hyper sympa. Les blow pens, si vous ne connaissez pas, vous savez, c'est les petites choses où on souffle dedans avec de la couleur. Elias adore. Et donc il a pu faire son petit Olaf, il était super content. Il y avait plein d'autres activités sur le même thème à redécouvrir, mais on n'a pas eu le temps de tout faire. Il y avait également un atelier cours de cuisine en famille avec un chef banane de Guadeloupe et Martinique. Donc c'est des bananes Mickey, donc c'est la banane française. Donc on a pu découvrir des petites recettes à faire, donc c'était super sympa. Et ensuite nous avions un jeu de domino géant avec Danonino. Donc lorsque l'enfant avait terminé de faire son domino, eh bien il avait le droit de boire un Danonino. Elias s'est régalé. Et on a pu découvrir un petit peu tous les jouets, les nouveaux jouets et les jeux de la Reine des Neiges avec le partenaire Hasbro. Bon, on vient de repartir des mercredis family, c'était une superbe après-midi, je vous en reparle plus précisément dans le train. On est au restaurant en attendant puisque notre train est à 20h, on a à peu près 2 heures d'attente. Elias est extrêmement fatigué, il a passé une journée de folie, il s'est vraiment amusé. Du coup il est vraiment fatigué, là il râle un petit peu. Du coup il a juste envie de faire un petit dodo là. On va manger des hamburgers, ça va nous rebooster un petit peu. On est bien dans le train, je vous ferai un petit retour, Elias a eu un super top bag. Puis je vous parlerai un peu plus de tout ça en rentrant à la maison. Elias est très fatigué, nous aussi, donc là on va se reposer un petit peu dans le train. J'ai commencé à monter la vidéo, mais je vous reparle de tout ça à la maison. Comme ça je pourrai vous parler plus calmement de cet après-midi au mercredi family. Bon, je vous reprends le lendemain en meilleure forme. On était très fatigués hier en rentrant à la maison après 3 heures de train. Et puis l'après-midi avait été assez intense, il y avait plein de choses à découvrir. Elias courait un petit peu dans tous les sens pour tout voir et jouer avec tout. C'est vraiment chouette les mercredis family. C'est la deuxième fois qu'on participe à cet événement. L'année dernière, on était avec Eden et les garçons avaient beaucoup apprécié. Donc on était très contents d'y retourner cette année. Elias a adoré son après-midi et nous aussi en tant qu'adultes, c'était chouette de pouvoir découvrir toutes les nouveautés Disney. Ça nous fait un peu entrer dans la magie de Noël aussi. Là, on commence tout doucement au mois de novembre. Du coup, ça nous a permis de commencer à réfléchir un petit peu aux cadeaux de la liste pour le Père Noël. Je pense qu'Elias va mettre les sabres laser Star Wars parce que clairement, il a joué avec ça toute l'après-midi. Il y avait aussi un petit jeu avec un genre de garage Cars qu'il a adoré. Il a beaucoup aimé les blow pens aussi. Vous savez, les petites encres dans lesquelles on souffle, etc. Il a adoré les pochoirs comme ça. Donc je pense lui en prendre aussi pour la liste du Père Noël. Donc avec des ateliers vraiment très sympas, Elias a pu participer à tout. Donc c'était très chouette, ça nous a bien occupé. D'ailleurs, on a aussi moi j'ai adoré, c'était le stand qui habillait avec la photo de Noël. Ils nous ont laissé les petits pulls que je vais vous montrer du coup en cadeau. Donc on a eu celui-ci pour Elias que je trouve trop beau. C'est les pulls qui habillent, ils sont vraiment beaux. Pour moi, j'ai eu celui-ci en blanc. J'adore Mickey, il est trop beau, il est vraiment beau. Bah, vous pourrez les retrouver chez Kiabi du coup. Et pour Romain, il y a celui-ci. Donc on a déjà nos pulls de Noël cette année.
On est trop contents. Voilà. Il est pas trop beau celui de Romain aussi. Voilà, donc moi j'ai adoré ce stand, puis je vais vous montrer, du coup on a pu repartir avec notre photo. Du coup je vous montre la photo avec le stand de Kiabi, on a pu prendre une photo dans un chouette décor avec les pulls de Noël. C'est vraiment joli, je suis super contente d'avoir ce souvenir. Elle est trop jolie, le décor était canon. Il y avait plein de décors hyper sympas sur le thème de la Reine des Neiges, sur le thème de Star Wars. Elias a complètement adoré. Il a beaucoup aimé aussi les Lego. Je pense lui en prendre aussi des Lego, donc... Voilà, il y a plein de petites choses hyper sympas. Je vais vous montrer un petit peu le top bag. On a reçu pas mal de petits cadeaux aussi. Donc on est trop contents. Je vais vous montrer tout ça. Donc en fait, on repart des mercredis familiers avec un top bag comme ça. Et à l'intérieur, il y a plein de chouettes cadeaux. Donc on a eu une petite savonnette comme ça. Avec Olaf. Trop chou. On a eu également des masques à gratter avec clochettes. Voilà, donc ça c'est super chouette. Donc il y a un livret, 6 masques, des élastiques et un stylet. Elias a pu tester notamment les masques, je pense que vous l'avez vu dans l'avance rapide. Mais du coup il a adoré cette activité, donc on va pouvoir continuer à en faire à la maison. C'est trop bien. Ensuite on a eu des perles, donc la Reine des Neiges. Donc il y a des petites perles, etc. 160 perles, des fils, etc. Des bracelets et colliers uniques à créer de la Reine des Neiges. C'est super joli. Après, il a eu un livre sur les indestructibles. Voilà. Donc, on a hâte de pouvoir lire cette petite histoire. On a eu un petit sachet Pixar avec sur Toy Story. Donc, on va pouvoir ouvrir cette petite surprise. Ensuite, Elias a eu une petite figurine Star Wars du partenaire Hasbro. Franchement, elle est trop trop belle. Ils doivent en faire plusieurs comme ça, donc franchement elle est trop jolie. Elias était trop content parce qu'il a admiré tout le long le stand avec la figurine, etc. géante. Il a adoré, donc il va être super content. Il n'a pas encore eu le temps d'observer les petites choses qu'il a reçues. On a eu également le petit badge de l'atelier cuisine banane de Guadeloupe et de Martinique. On a eu un autre badge sur les incognitos. Donc là ça sort, en fait c'est un film qui sort le 25 décembre au cinéma. Il est super mignon. On a hâte d'aller voir le film du coup. On a eu un coloriage Disney de la Reine des Neiges. Donc à savoir que la Reine des Neiges sort le 20 novembre au cinéma. Donc voilà, c'est à cette occasion. Donc ensuite on a eu un petit gel douche Star Wars de la marque Corinne de Farm. Voilà. On a également eu un petit pins comme ça, Mickey. Il est trop joli. Il est vraiment trop beau. Je le vois bien sur les pulls de Noël ou quelque chose comme ça. C'est trop joli. On a eu une petite figurine Donald. Comme ça, Elias, il va être super content. Il adore Mickey. En ce moment, c'est Mickey à tout va à la maison. On a eu également un poster avec toutes les figurines de Toy Story 4. Voilà, il est trop beau. Il est trop chouette. Elias, il adore. Il a Buzz l'éclair. Il joue tout le temps avec. Il s'éclate avec Buzz. On va peut-être continuer la collection des Toy Story. On a eu également un magazine avec un petit micro de la Reine des Neiges. Donc on a également eu de la documentation sur la banane française du coup. Et avec une petite recette sur les pancakes à la banane. Donc celle-ci on va la faire. J'ai hâte de tester ça avec Elias. Il va être content de cuisiner avec maman. Et puis ensuite on a eu de gros cadeaux aussi. On est très très content. Elias était ravi de recevoir ce si beau cadeau de Cars. Un truc de folie. Regardez le cadeau qu'il a reçu. Voilà, c'est un grand grand camion avec plein de petites voitures de Cars. Elias adore les voitures en ce moment, c'est la folie pour lui. Et du coup, il était trop trop content de recevoir ce cadeau. Et vraiment, il était trop ravi. Et on a également eu des petites voitures comme ça, Cars. Du coup, il était trop content. On a eu également un livret presse avec le récap des jouets qu'on a pu voir. C'est vrai qu'on peut pas tout se souvenir et tout. Et du coup, c'est bien d'avoir ce petit livret, notamment avec tout ce qui est Lego de la Reine des Neiges. On a les Lego également Star Wars. On a les partenaires Hasbro avec les figurines sur le thème de Marvel, donc Avengers, etc. Elias aime tellement ça. Spider-Man, ce petit avion là, il a trop aimé. Ensuite on a tout ce qui est partenaire Mattel, donc plus sur le thème de Toy Story. On a eu tous les jeux et les jouets Mickey, les jeux Cars. Voilà, tout ça c'est tout ce qu'on a vu. Notamment aussi les pulls, vous voyez les pulls de chez Kiabi sont vraiment trop trop jolis.
Elias a adoré aussi le renne de la Reine des Neiges. En fait, quand vous montez dessus, vous pouvez tirer sur les cornes et normalement, il avance tout seul. Elias a adoré. Là, on retrouve les bouteilles d'eau Evian sur le thème de la Reine des Neiges. On a d'ailleurs fait un superbe Sky Game avec Elias. C'était son premier, même s'il n'a pas tout compris. Il s'est vraiment amusé. Il a suivi un petit peu le mouvement. Du coup, c'était super chouette. On retrouve tous les produits Danonino avec les gourdes de la Reine des Neiges, etc. Voilà, il y a vraiment tout le récap de ce qu'on a pu voir. Et du coup, ça permet de savoir exactement et de se donner des idées pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous faire découvrir les Mercredis Family, ça vous a fait plaisir de voir ça en vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like et le commentaire sur les divers réseaux sociaux. Et on se dit à très vite pour le prochain vlog. Ciao, ciao !